suis autant que professionnelle d'aide-soignante en gériatrie pour les personnes âgées à domicile. J'ai accompagné pas mal de fins de vie. C'est là que ça a commencé ma passion d'être, pas changer mon travail. C'est au contraire, c'était pour continuer à faire des recherches. Et c'est le but pourquoi je suis là, pour qu'on puisse changer le regard et en même temps approfondir les soins à palliatifs qui n'est pas reconnu sur tous les territoires. J'étais déçue, comme il y a beaucoup de personnes, ils me disent c'est quoi le soin palliatif. Et on explique, mais on ne peut pas expliquer tout parce que on a besoin de beaucoup de recherche, beaucoup de travail, beaucoup de valorisation. On a besoin de matériel, on a besoin d'accompagnement, on a besoin que nos épaules, on a besoin des soignants, des infirmières. Les médecins ne peuvent pas tout faire. Au début, j'étais avec un suicide assisté, avec conditions. Là, ce week-end-là, j'étais carrément commencé à voir les choses claires, surtout avec mes recherches que je faisais, avec les contacts des professeurs. Je me suis basculée vers le refus à la fin. Pourquoi? Parce que la plupart, ils ne le voulaient pas. Il faut donner les moyens à les hôpitaux, donner les moyens, la valorisation pour les soins palliatifs et les accompagner parce que vraiment, ils ne demandent que ça. Et demandent encore de plus, plus d'accompagnement, plus de formation. Et pour les publics, plus d'informations. Quand je fais la recherche pour les soins palliatifs, par exemple, le salpêtrière, elle est en dehors. Elle n'est pas au sein de le service. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on valorise, qu'on donne une valorisation à notre métier au niveau de législation. Quand j'ai un problème, je n'arrive pas à contacter tout le monde. Il faut attendre 3 mois. Les gens qui sont seuls en précarité de santé, aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie.